Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va merveilleusement bien parce que j'ai reçu mon petit colis Oli. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. Nous partons donc sur une vidéo unboxing. Je suis également très ravie, très reconnaissante de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Oli. Je pense que vous l'avez compris, je suis une grande adepte des boissons de chez Oli. Faut savoir que je n'avais plus rien du tout en stock. Donc c'est parti pour l'unboxing. En plus, il y a une petite nouveauté à l'intérieur que je vais me faire un plaisir de vous présenter. C'est parti. On va commencer par l'Ice Tea. Hein. Alors, j'ai reçu l'Ice Tea Pêche Nectarine Thé Noir. Celui-là, je ne le connais pas. J'ai très hâte de tester ça. À l'intérieur, vous avez une petite cuillère dosette. Vous mettez une cuillère dans 500 ml d'eau. Vous remuez et ça vous fait votre iced tea. Franchement, l'iced tea Oli, moi j'avais acai hibiscus en sachet comme ça et je le faisais même chaud et c'était trop bon. Franchement, cet hiver, je me suis gavée d'acai hibiscus chaud, c'était délicieux. En vrai, iced tea ou pas, ça passe. Celui-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore goûté. Je ne connais pas, donc j'essayerai les deux. Je vous dirai si je préfère chaud ou froid. À vos paris. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, là, avec l'été, un iced tea avec la dose de glaçon, ça passe très bien. Là, celui que j'ai ici, c'est l'iced tea vanille framboise. Franchement, il est délicieux. Je trouve que c'est un des plus sucrés, vanille framboise. En soi, il n'y a pas de sucre ajouté. Vous avez vraiment que le sucre déjà présent dans le fruit, dans les arômes. Et les arômes sont des arômes 100% naturels. Ça vaut à la fois pour les iced tea et ça vaut aussi pour les boissons énergisantes. Parce qu'il y a deux types de boissons chez Oli. Et moi, je considère que vous connaissez maintenant. J'ai plus besoin de tout vous réexpliquer. On fait un unboxing, on unbox, ok? Ensuite, est-ce que je vous présente la petite nouveauté maintenant? Allez, vous méritez. Oli ont enfin sorti des box énergie de 10 échantillons. Alors, c'est vachement cool qu'ils aient sorti ça parce qu'avant, vous aviez soit le pack découverte avec deux échantillons de chaque goût ou alors directement les gros pots où là vous en aviez pour perpète. Mais franchement, je trouvais qu'il manquait un truc. Moi, je suis quelqu'un qui est très vite saoulé. Par exemple, quand j'aime vraiment une saveur, un goût, une boisson, je vais en boire beaucoup pendant une, deux semaines et après, je peux plus me les voir. Mais pour moi, le pack découverte, il n'y avait pas assez de fois le petit échantillon. Genre, il n'y en avait que deux pour chaque goût. Mais le gros pot, il y en avait trop, voyez. Et là, nous avons enfin l'entre-deux. Donc, vous avez 10 échantillons à l'intérieur, du même goût, du coup. J'adore les packagings. Franchement, je le dirai jamais assez. Mais ceux qui bossent sur les packagings de chez Oli, vous êtes des génies. Tout est trop beau. Tout est trop beau. Donc là, j'ai le Lion's Limonade. Celui-là, c'est une vraie pépite pour le coup. En été, il est délicieux parce qu'il est, frais de ouf. C'est mangue kiwi. Et du coup, celui-là, vous l'aurez compris, en fait, une dosette comme ça, un petit sachet comme ça, équivaut à 500 ml d'eau. Donc un shaker ou une grande bouteille. Voilà, à vous de voir quel récipient vous voulez. Après, voilà, je ne vous force à rien. Nous avons également un petit shaker. Alors, pour les shakers, je vous recommande de prendre le shaker noir, tout simplement parce que moi, j'ai eu plusieurs shakers transparents. Et c'est vrai que, en fait, c'est du plastique, un shaker. Et pour n'importe quelle marque, un shaker transparent, il va finir par jaunir. Voilà, sauf si tu mets que de l'eau à l'intérieur. Le shaker finira forcément par jaunir. Alors qu'un shaker noir, il vieillira beaucoup mieux qu'un shaker transparent. Donc si je peux vous conseiller un shaker de chez Oli, prenez le shaker noir. Ou alors, prenez carrément ce type de gourde. Ça, c'est vachement bien pour les iced tea. Ça ne jaunit pas par contre. Je m'en sers tout le temps et elle n'a jamais jauni. C'est pas le même plastique en fait que le plastique shaker. Je sais pas comment vous expliquer. Sinon, vous avez carrément des bouteilles en verre. J'en ai une qui est trop belle. Je crois qu'elle est au lave-vaisselle d'ailleurs. Mince. C'est pas grave, je vous la mettrai en photo. Je l'avais eu quand j'avais mon sachet d'acai hibiscus. C'est la bouteille qui est assortie. Adorable. Des petites baies comme ça partout. Trop kiki quoi. Mais bref, revenons-en à nos shakers. Je vous conseille de prendre le noir. En plus, franchement, je le trouve super stylé.
En toute honnêteté, je le trouve... je trouve qu'il en envoie. Il est classe. Vous voyez, il est là, le shaker. C'est un shaker badass. Ensuite, nous avons les deux petits packs découvertes. Est-ce que je vais pouvoir deviner lequel est lequel? Je pense que lui, c'est le pack... Ah! C'est le pack énergie, celui-là. Ah non. Ah, attendez. Celui-là, c'est le pack énergie. Et celui-là, c'est le pack ice tea. On vérifie ça. Alors, je pose celui-là ici. Et celui-là, normalement, ça doit être le pack énergie. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Je les reconnais au son, maintenant, les sachets de Holly. En fait, comme je vous disais, on a deux échantillons de chaque goût. Oh non, celui-là, il est trop bon. Blueberry coco. Celui-là, il y a plein de gens qui le détestent, mais je trouve vraiment que c'est un des meilleurs. Blueberry coco, ma vie. Réellement. Une fois, j'avais fait un TikTok où je disais que c'était mon préféré, et tout le monde était là, ah, c'est le plus dégueulasse. Mais excusez-moi, vous avez des palais pourris, messieurs, dames, quoi. Blueberry coco, c'est le meilleur. C'est tout. Alors, nous avons donc Blueberry Coco, un de mes favoris, franchement. Ensuite, on a le Tropical Tiger. Donc là, ça va être Passion Ananas. Celui-là, je trouve qu'il ressemble vachement à de l'Oasis. Tropical, voilà. Je vous le dis, si vous aimez l'Oasis, vous allez adorer le Tropical Tiger de l'Oasis. Délicieux. Ensuite, nous avons le Citrus Cobra. Donc citron vert, citron jaune. Si vous êtes un ou une fan de citron, celui-là, c'est du pur citron. On peut pas faire plus citronné que ça. Hein. On a le Strawberry Shark, donc fraise mandarine. Délicieux celui-là aussi. Le Lion's Limonade, donc mangue kiwi, un de mes petits bébés. Franchement, celui-là avec le blueberry coco. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Le Raspberry Raptor, framboise citron. Lui aussi, il est très très bon pour le coup. Peach Panther, donc là, on est sur de la pêche. Voilà. Et si vous kiffez l'ice tea, le Peach Panther, ça sera votre saveur, vraiment. Le pack découverte énergie, si vous n'avez jamais testé la marque, mais vous n'avez pas envie d'acheter une saveur en particulier, parce que bon, vous savez pas forcément si vous allez kiffer ou quoi, prenez le pack découverte, il y a tout à l'intérieur, il n'y a pas d'échantillon des saveurs limitées. Il y en a plusieurs qui sont en quantité limitée, elles sont pas dans le pack. Mais franchement, vous avez déjà pas mal de saveurs et ça vous permettra de choisir, on va dire, vos saveurs préférées. Et pourquoi pas après de prendre un pot ou alors une petite box, quoi. Nous avons exactement le même concept, mais version iced tea. Voilà, il y a plein de petites saveurs là aussi. Ah, les iced tea, c'est en forme de stick, c'est pas en forme de petits sachets. Mais en soi, c'est le même concept, un stick, un sachet pour 500 ml d'eau. Il est où mon fave? J'ai des favoris normalement là-dedans. Pomme, thé vert. Je vous en ai déjà parlé, je crois, celui-là, dans une de mes vidéos. Délicieux, délicieux. Si t'aimes le jus de pomme, celui-là, c'est une dinguerie. Ensuite, nous avons le Acai Hibiscus dont je vous avais parlé. Franchement, celui-là, il est trop bon. Hein. Mais pareil, je me suis enfilé en fait un sachet entier comme ça d'Acai Hibiscus. Donc, c'est pas que je peux plus me le voir, c'est que c'est une saveur un peu... Vas-y, j'ai besoin de nouveautés, tu vois. Très très bon. Si vous n'avez jamais goûté, pour vous faire une petite idée, ça ressemble au Refresha Hibiscus de chez Starbucks. Voilà, c'est exactement le même. En moins sucré, peut-être. Mais c'est exactement le même. Acai Hibiscus. Faut dire les termes hein, au bout d'un moment. On a le pêche black tea. On a celui-là, il est trop trop bon. C'est le blueberry thé noir. Délicieux, délicieux. Celui-là par contre, il est vraiment très... il est très prononcé. Genre, vous voyez le Earl Grey? Et bah, c'est très prononcé de la même façon que du Earl Grey. On a celui-là, c'est le framboise vanille. Donc c'est celui que je bois actuellement. Et là, on a deux saveurs que je ne connais pas. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ils ont refait les packs découvertes Holly. Avant, il y avait trois échantillons de chaque saveur, parce qu'il y avait moins de saveurs. Et comme ils ont sorti de nouvelles saveurs, ils ont rajouté les saveurs, mais ils ont fait moins d'échantillons. Pour avoir plus de goût, vous m'avez compris ou pas? C'est bon, ma phrase est beaucoup trop longue, je la finirai pas, je vous le dis.
Donc cette saveur là je ne la connais pas, c'est mangue, fruit de la passion, à mon avis dinguerie, parce que voilà, mangue, fruit de la passion, c'est trop bon. Attendez, ils sont trop mimes, regardez leur bouille. Ah, je les adore, ils sont adorables, j'ai envie de les adopter. Et cette saveur là je ne la connais pas non plus. Hibiscus, encore de l'hibiscus et framboise. Red grapes, bah non. C'est quoi red grapes? Framboise, c'est raspberry, non? Il a l'air vachement sympa, celui-là. Je ne le connais pas non plus. J'adore quand il y a des nouveautés comme ça. Des nouvelles saveurs, moi, je kiffe. Donc voilà, cet unboxing est déjà terminé. Très contente parce que depuis mon dernier colis Oli, ils ont reçu plein de nouveautés. Donc je vais pouvoir tester des nouvelles saveurs. Ça, j'adore les nouvelles saveurs. Mon code promo valable sur tout le site de Oli, je vous l'affiche ici, je vous remettrai toutes les infos dans la description comme d'habitude. Dites-moi en commentaire vos saveurs préférées de chez Oli et les saveurs que vous aimez le moins. Parce que vraiment, théorie du complot contre la saveur énergie blueberry coco, je refuse de vivre dans un monde où le blueberry beer, donc blueberry coco, est la saveur la moins bonne de chez Oli. Je refuse de vivre dans ce monde-là. Pour moi, c'est une des meilleures, mon top 1. Franchement, mon top 1, top 2, Lion's Limonade. Voilà. J'ai dit les termes. Dites-moi les vôtres en commentaire, mais moi, j'ai dit les termes. Sur ce, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, hydratez-vous. Bye.